Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci, on va parler de Twitch à la botlane et de notre ami Laura, bien entendu, hein, vous connaissez Twitch, un champion qui a principalement 3 builds, j'ai envie de dire. Vous avez la P, vous avez le Onita S, on va dire, et vous avez le Full Critique qui fonctionne aussi très bien. Et globalement, vous avez aussi toute la manière de jouer autour de notre ami Twitch. Alors, typiquement, est-ce que vous gankez mid ou est-ce que vous faites votre ouverture? Ça se travaille plutôt dans les reviews. Mais pour ce qui est du build, on va parler d'abord d'une lecture des sorts d'un champion qui est resté relativement simple dans League of Legends. Et ensuite, on va regarder où est-ce qu'on met les bonnes runes, les bons sorts, les bons max et aussi les bons builds. Et on va commencer comme d'habitude par la lecture des sorts parce que c'est ça qui nous intéresse sur le champion Twitch, mes amis. Twitch, alors le passif, c'est un des passifs les plus simples du jeu à l'époque. Les attaques de Twitch font des dégâts bruts. Alors ça scale en fonction du level, et ça scale plutôt bien avec l'AP. C'est cumulable 6 fois, et les dégâts max par seconde vous sont indiqués. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez 3% d'AP, ok, le ratio il est nul. Vous êtes donc capable de multiplier ça sur 6 secondes, fois 6 fois. Donc c'est 3% d'AP, fois 36. Ouais. Il y a un peu plus de 100% de votre AP dans le passif si vous mettez tous vos stacks. C'est plutôt pas mal. Ce qui fait que Twitch, juste avec ce passif, il est capable d'avoir un build qui se joue AP. C'est ça que vous allez trouver. Hop, je vous remets ça. Juste avec ce passif. Sinon, pour le Onit d'un Twitch AD, c'est... Ok, cool. Ça va. Il y a 200 points de dégâts. Enfin, si vous mettez un stack complet, vous allez mettre 200-300 points de dégâts bruts en plus, une fois arrivé level 18. C'est intéressant, surtout si vous le mettez sur un tas de gens, vous allez voir avec le R, c'est une possibilité. Mais c'est pas non plus ce qui tue. Il faut savoir qu'en early game, une potion, ça contre toujours le venin de Twitch. C'est-à-dire que tant que vous avez une potion en early et vous partez sur le... Vous avez 6 stacks derrière vous, vous appuyez sur le bouton potion, vous êtes tranquille. C'est pas une ignite. Alors, je vous donne cette information-là, c'est quelque chose qu'il faut avoir quand on joue contre Twitch. Ensuite, vous avez l'embuscade, qui est probablement le sort qui frustre les gens sur Twitch. Vous avez un camouflage. Donc c'est pas une invisibilité pure. Vous êtes vu par les pinks. Vous n'êtes pas capable de vous approcher des gens sans être vu. Vous avez ensuite le sort qui vous pose problème sur Twitch, c'est le A. Grosso modo, c'est un camouflage, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous approcher trop des gens. Vous êtes vu par les pinks, mais vous êtes relativement invisible, et ça dure longtemps, parce que ça dure 10 secondes en early game. Et ça vous permet de vous déplacer vite, vous gagnez de la vitesse de déplacement. Assez sympathique. Le camouflage est long, et ce bonus augmente, il est triplé lorsqu'il est près d'un champion ennemi. C'est-à-dire que ça va vous permettre de jouer avec la vision des adversaires relativement efficacement. Et à la sortie du camouflage, vous avez un sacré stéroïde d'AS pendant 5 secondes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une mécanique à reset. Le reset a deux effets. Déjà, vous avez un reset pour vous enfuir. Vous pouvez prendre un kill et repartir très vite. Et quand vous êtes invisible, bah les adversaires, il va vraiment falloir vous trianguler pour vous avoir. Ce qui veut dire que vous allez trouver des escapes. À une escape de 10 secondes, c'est long. Ça vous permet vraiment, en plus d'attendre un buisson, s'il y a besoin. Les adversaires ne doivent juste pas approcher de vous. Si vous êtes en combat, vous pouvez le relancer pour avoir le stéroïde de vitesse d'attaque pendant 5 secondes de plus. Ça coûte 40 points de mana. Alors, c'est pas négligeable sur une barre de mana de Twitch, mais c'est assez puissant. Ce sort... Paradoxalement, si vous l'utilisez bien, il y a beaucoup de puissance dedans. Quand vous le maxez, il y a un peu de vitesse d'attaque. Ok, c'est sympa. Il y a la durée du camouflage qui augmente de 4 secondes, c'est non négligeable quand même. La vitesse de déplacement est déjà flat, mais c'est surtout le fait que ça reset. C'est un sort qui a un long cooldown et qui reset très fort. Tenez ça en compte. Prenez ça en compte, pardon. Ensuite, vous avez la dose de venin. Alors ça, c'est le deuxième sort de Twitch AP. Ça lance une zone qui dure 3 secondes et qui va appliquer des stacks. Donc ça, c'est pas mal. Tant qu'il reste dans la zone, ça va appliquer des stacks. Ça peut en appliquer plutôt pas mal. Vous voyez, là, ça va. La zone, il l'a mise. Il y a 4 stacks qui ont été pris. Ils sont ralentis d'un pourcentage qui est augmenté par le niveau du sort et par votre AP. 5% de l'AP. En admettant que vous soyez un Twitch qui va full stuff, vous allez avoir 600 d'AP. Vous gagnez 30% de plus. Ça veut dire que en max, vous avez à peu près 80% de slow dans la zone.
c'est gigantesque. Le délai de récupération baisse un peu quand vous le montez, enfin, il n'y a pas grand chose, mais grosso modo, c'est juste un effet pour mettre des stacks de venin, ralentir les gens et contrôler. Quand vous surprenez quelqu'un avec votre invisibilité, vous le posez ça et ensuite vous allez, l'attaquer. C'est comme ça que ça fonctionne. Résultat des courses, si vous avez 4 stacks avec un force slow, quand vous avez Twitch AP, ça veut dire que vous avez un sort qui va assurer de faire au minimum 70-80% de votre AP. En late game, c'est gigantesque. C'est ça que vous prenez en compte. Le sort suivant, c'est contamination. C'est très simple. If you have venin, you take damage. Contrairement à ce que la vidéo montre, ça ne consomme pas les stacks de venin. Ça inflige des dégâts physiques à tous les ennemis par venin, plus par effet de venin mortel cumulé. Ça scale en fonction de votre AD bonus. Ok, cool. Et ça scale en fonction de votre AP. Les dégâts maximum ont plutôt bon scaling en dégâts bonus et en scaling en AP qui est vraiment sympathique. Parce que si vous arrivez à ces dégâts-là, rappelez-vous, c'est déjà en train de tick depuis un moment avec des pourcentages de votre AP en dégâts bruts et qu'il reste encore à ce moment-là quelques pourcentages à faire. Si vous arrivez à faire ça sur quelqu'un qui est dans une zone de Z, c'est-à-dire qu'il a encore toute la durée des stacks à gérer, de tous les stacks, et donc il a encore 100% de votre AP dedans. C'est pour ça que Twitch AP, ça marche. C'est pour ça que Twitch on it, ça... C'est pas particulièrement gêné parce que c'est plutôt le A qui gère. Et Twitch crit fait des dégâts en early game. C'est comme ça que vous clinez. Parce que il y a un bon ratio AD. Un bon ratio AP. Sacré bon ratio AP. Et les dégâts de base vont monter plutôt pas mal. Les dégâts par effet vont monter. Ce qui veut dire que là, vous avez les 20 points de dégâts physiques qui vont monter à 60. Et ensuite, c'est le scaling qui est à 35. Parce que si c'est juste une multiplication, il faudrait que les valeurs soient basses. Parce que ça suive, il faut pas que ça suive quand vous maxez le sort. Le coût en mana augmente cependant. Ça veut dire que utiliser votre E à tort et à travers, c'est quelque chose qui va arracher votre barre de mana. 90 pour un ADC, c'est gros. Et Twitch n'est pas fait pour avoir ce genre de coût en mana. Vous avez la panique qui est 100 points de mana, et là vous commencez à voir parce que je vous dis, un combo complet va vous coûter 200, 300, 400 points de mana, et c'est ça qui est important. Vous avez une arbalète qui va gagner de la portée. 300 de portée supplémentaire. Twitch est un champion qui a une portée relativement faible. Avec la portée de ton arbalète, c'est pas le même truc. Ce qui est intéressant dans ça, et qui n'est pas écrit, il me semble... Oui, c'est exactement ça. Vous allez avoir plus de portée que ce que dit votre range. Vous avez la range à laquelle vous pouvez cliquer sur quelqu'un, vous avez la range à laquelle le carreau de l'arbalète va. Cette range est supérieure. Vous avez donc de la portée supplémentaire, et vous pouvez gagner de la portée sur la portée. Vous gagnez 32 dégâts d'attaque. Donc ça, c'est un stéroïde d'AD en plus, un peu la manière de Veil. Et accessoirement, tous les carreaux sont perforants, c'est-à-dire qu'ils infligent 10% de dégâts en moins à chaque cible après la première. Vous faites 100%, 90%, et ça va descendre jusqu'à 40% des dégâts. Ce qui veut dire que c'est pas terrible à travers une wave de minions. C'est très bien en teamfight, mais c'est pas terrible à travers une wave de minions. Grosso modo, si vous arrivez à avoir le stéroïde, poser un bon Z, vous R, et à la fin vous appuyez sur E, vous allez avoir des dégâts de psychopathe. Ce sort fonctionne sur les 3 builds de Twitch. Résultat des courses, vous comprenez juste à la lecture pourquoi AP ça marche, parce que AP c'est une optimisation du passif que vous appliquez avec vos autos, puisque chaque auto met une dose de venin. Les builds plutôt attack speed, plutôt crit sont basés un peu différemment sur la manière de fonctionner. L'attack speed va surtout fonctionner parce que vous avez un gros stéroïde de vitesse d'attaque. Donc l'idée c'est avoir beaucoup d'attaques et profiter de ces stéroïdes là. Et le crit, c'est un peu le même délire, mais en ayant beaucoup plus de dégâts à l'auto, et donc de se baser plus sur le A que sur le stéroïde du R, même s'il est intéressant. C'est des optimisations différentes. C'est ça que vous allez avoir. À partir de ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va maxer les ennemis? Alors, pour vous donner l'information, Twitch, en termes de max, c'est E à Z, à peu près quoi qu'il arrive. Vous avez le EZ qui peut éventuellement se discuter si vous jouez AP en ARAM. Ce genre de choses là. Vous avez les builds de A, c'est des idées de je veux beaucoup surprendre en lane, notamment si vous jouez avec une Yumi, si vous jouez avec un Rakan, ce genre de choses là, où vous pouvez vouloir avoir votre A maxé rapidement. Le truc c'est quand vous maxez votre A, vous allez foncièrement gagner que 20% d'attaque speed et 4% de durée, 4 secondes de durée en plus. C'est pas fou. C'est pour ça que maxer le E en premier c'est toujours la meilleure solution. Mais si vous savez parfaitement jouer avec le A, ce genre de choses là, pourquoi pas? Mais la première ligne est celle que vous allez rencontrer. À la bot lane, Twitch, ça fait tout. C'est un champion
soyons très très clairs, je jouais, j'ai main Malphite toute une saison parce qu'il y avait trop de Twitch support. Et qu'il y a une règle, c'est quand Twitch reste visible, en général, les tanks et les bruiseurs, ils vont se retourner sur Twitch et ils vont appuyer sur le bouton nuke. Et il n'y aura pas d'erreur. Vous allez prendre des overkills au R de Garen pour 6 HP. Vous allez prendre des R de Vaille qui sont pas mérités. La Vaille, elle va mourir, mais elle va vous empêcher de jouer. Malphite, il vous errera quoi qu'il arrive. Et s'il le fait passer, un sacré gros troll. Vous allez prendre tous les CC de la planète, tous les dégâts, tout le burst de la planète. Twitch must die. C'est la règle quand vous êtes dans une game de Twitch. Et votre équipe, le but du jeu, c'est de créer de l'espace ou d'exploiter le fait que vous aviez un Twitch au bout d'une canne à pêche pour attirer toute l'équipe adverse et gagner le fight. Du coup, la barrière, qui est l'item qui vous donne le plus de protection le plus souvent possible, c'est évidemment Opti. Les CC, bah évidemment, hein, si vous pouvez juste flash out, si vous prenez un stun et que vous pouvez flash le follow-up, c'est sympa. Twitch, cependant, comme c'est quelqu'un qui surprend bien et qui aime teamfight et qui, l'air de rien, a une auto qui est un peu longue, peut aimer prendre Ghost. Peut aimer avoir des sorts de un peu plus de duel avec une Ignite pour surprendre ou une fatigue. Et peut éventuellement jouer heal si vraiment il n'y a pas le choix. Support typiquement on veut pas, ce genre de choses là. Mais les deux options que je vais vous conseiller, ça va être purge ou barrière. Votre job c'est de survivre. Car vous faites des dégâts. C'est comme ça que ça fonctionne. Sur les runes, voyons voir ce qu'on joue sur notre ami Twitch en ce moment. Oui bah comme prévu. Alors, je vous enlève celle qui fonctionne pas trop. Et je vais vous présenter la suite. Vous avez Twitch AP qui est principalement joué avec les trois coups. Parce que c'est une bonne manière de faire des dégâts. J'avais pas vu ça en préparant. Il y a des mecs qui se disent qu'ils ont un dash avec Twitch. Non mais il y a des mecs qui jouent Protobelt. Non, parce que pour avoir un dash, Twitch, il n'y a pas de dash dans son kit. Faut profiter. Donc, c'est des mecs qui prennent ça, qui gagnent avec, en moyenne. Incroyable. Bref, vous jouez les trois coups, vous allez chercher plutôt de la mana. Vous choisissez si vous voulez imploser la game, vous déplacer vite ou avoir souvent votre R, ça discute avec Twitch et vous prenez les dégâts. C'est une option qui permet soit d'avoir un punch très puissant en AD, soit de proc très rapidement quelques stacks en... En AP, le problème de l'AP, c'est qu'elle a beaucoup souffert du Lethal Tempo. Parce que c'était vraiment une idée de je me mets des autos avec l'AP. L'optimisation, je mets beaucoup d'attaque speed, c'est un peu le même délire. Donc vous pouvez la retrouver éventuellement dans des luches de lame. Vous avez les Twitch qui cherchent à surprendre ici, je vais pas vous montrer ce qui se passe là. Juste, je considère que c'est un peu du troll. Les Twitch qui jouent Conqueror, c'est juste qu'à l'heure actuelle, Conqueror, c'est une ring qui fonctionne pas très bien sur les ADC parce que c'est long à stacker. Twitch, c'est un champion qui fait des dégâts vite et qui crée de la panique. C'est pas un champion qui part du principe qu'il a un conquérant et ensuite finit les fights. D'où le fait que vous vous retrouvez avec un presse d'attaque qui est très bon pour lui. Il peut le proc à range et il augmente tous ses dégâts, pas seulement sur la cible. Résultat des courses, c'est la rune que je vais vous conseiller tout le temps. Vous êtes un champion qui va avoir des problèmes de mana, surprenamment, parce que entre le reset et les coups en mana de Twitch, vous allez probablement vouloir jouer présence d'esprit si vous pouvez. Sinon, c'est triomphe parce que vous allez être en fight et il faut survivre. Vraiment. Twitch est un personnage qui veut de l'attaque speed. Vous l'avez vu, un stéroïde, mais grosso modo, il veut mettre des doses de poison, il veut mettre son R. Donc l'attaque speed, c'est toujours bon. Et après, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous faites en second, en dernière ligne ici? Est-ce que vous arrivez en premier? Est-ce que vous arrivez plus tard? Sachant que votre poison, notamment si vous jouez des versions optimisées pour le poison, va fonctionner surtout sur des gens low life. Vous pouvez augmenter ça. Et le reste, ça va être assez simple. Si vous jouez rouge, vous allez chercher légende à la crité et de la mana. Vous pouvez jouer triomphe, mais c'est ça qui va vous intéresser. Si vous jouez bleu, vous pouvez jouer rouge. Ça y est, j'ai compris. Je viens d'apprendre en live... dans le record de cette vidéo, un truc. Ruée offensive, qui comme son nom l'indique est une ruée, un déplacement, un dash, fonctionne sur le fait de quitter le camouflage. Il se trouve que la plupart des champions qui ont des camouflages ont tendance à avoir des ruées immédiates. Alors, Shaco, il dash et il se camoufle. Evelynn, elle dash
En général, elle met son charme, elle va vous dasher dessus tout de suite. Vous avez ce genre de choses-là. Enfin, Wukong, c'est un dash. Les camouflages dans lesquels les champions ont pas déjà 36 000 dash, c'est rare. Il y a Teemo et il y a Twitch. Cette rune fonctionne 4 secondes. 4 secondes après la sortie du camouflage. À partir de ce moment-là, maintenant que cette rune fait des dégâts, pourquoi vous prendriez autre chose? Non, parce que les dégâts, alors si je joue en droit, c'est 20 à 80 points de dégâts bruts. Hein. C'est pas négligeable. Et ensuite, vous prenez Chasseur de Trésors parce que Twitch est plutôt un champion qui cherche à faire exploser la banque. Vous avez aussi l'option de jouer j'ai beaucoup d'AD, je vais engager le fight en étant full life. Dans ce cas-là, je vais en général engager le fight en premier. Je vais être là, je veux un maximum d'AD, un maximum de dégâts. Et ça va marcher, oui. J'aime bien l'option. Et vous avez éventuellement les options, je veux une lane un peu plus safe tout en essayant le grid un peu. Si vous savez qu'avec Twitch, vous pouvez vous permettre de prendre 10 de move speed en plus et d'avoir des cookies, enfin, vous êtes le roi du monde. Avoir plus souvent vos summoners, vous voyez que les summoners, c'est important pour survivre. Ça peut fonctionner. Mais globalement, juste une fois qu'on a compris que ruée offensive... Ah, le nom marche tellement pas. Comme quoi un nom peut vous mettre dedans. Ruée offensive, ça fait des dégâts en sortant du blink. C'est globalement quelque chose que vous allez vouloir prendre. Et je comprends effectivement que ça soit ça qui gagne ici. Même si c'est un peu frauduleux qu'ici, il n'y ait pas, la possibilité de jouer. Et vous allez avoir ce genre de build. Pour les runes, c'est pas très très compliqué. On voit ça à l'assemblage à la fin. Pour les bots... Voyons un peu tout ça. Alors, pour les bots, ce qui va vous intéresser, c'est une fois que vous avez réfléchi à vos starters et que vous êtes un AD carry et que vous ne posez pas trop la question et que vous faites votre lame de Doran, vous allez chercher vos bots. Et vous voulez de l'attack speed, de l'attack speed, de l'attack speed et encore de l'attack speed. Donc vous prenez des berserkers. Si vous prenez quoi que ce soit d'autre, c'est que vous êtes en train de jouer un Twitch un peu bizarre parce que en plus, les Twitch AP ont tendance à vouloir jouer plutôt attack speed pour mettre des stacks de dégâts bruts plutôt que des dégâts magiques parce que la pénétration magique, ça ne sert à rien sur les dégâts bruts. D'où le win rate. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à vous dire. Pour les builds, alors, là, il y a déjà d'autres choses à dire. On va retrouver ce que je vous disais, c'est vous allez avoir de l'attaque speed, vous allez avoir de l'AP, vous allez avoir de l'AD. Et vous allez avoir ces trois builds. Mais, franchement, avec Twitch, si vous jouez attaque speed, vous êtes bien à peu près quoi qu'il arrive, parce que si vous jouez attack speed, en mono cible, le problème c'est que vous êtes un champion qui a tendance à sprint prey, qui est littéralement le nom de son ultime à l'époque. Maintenant c'est rat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 
et vous avez ce genre de build. Et ensuite, vous retransitionnez sur quelque chose d'un peu plus classique. Vous allez avoir moins d'attack speed avec ce build parce que vous allez faire runan. Et ensuite, une fois que vous êtes à 3 items avec Twitch, franchement, 4ème, vous faites votre Dominique et vous posez pas la question. Vous devez avoir la pénétration en 3... Enfin, si vous n'avez pas déjà fait de la pénétration en 4ème item, vous faites de la pénétration. Genre, c'est pas une question. Si vous faites pas ça, vous allez arrêter de faire des dégâts. Et à la fin, vous pouvez faire des Yuntal parce que vous voulez proquer sur tout le monde, pratique. Ou vous pouvez faire une soif de sang qui va vous permettre de survivre parce que ça vous permet d'avoir un tout petit peu plus de points de vie et accessoirement de la régène en zone, ce qui est assez pratique. Vous pouvez éventuellement faire un arc bouclier immortel si vous voulez de la régène pure, enfin du sustain pur. Typiquement, il y a un méchant Malphite Vaille en face dans la game. Bah déjà, si vous arrivez à 5 items avant de le faire, c'est que vous avez bien roulé sur la partie. Et vous avez des problèmes à partir de ce moment, parce qu'un Malphite 4 items, ça va battre Twitch à peu près, quoi qu'il arrive. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans la chaîne alimentaire. Et on arrive ensuite sur les builds qui vont intéresser les plus fous d'entre vous. En termes d'efficacité pure et dure, l'attaque speed pure, c'est pas mauvais sur Twitch. Je vous ai dit, avec son stéroïde de R, ça marche. Avec son passif, ça marche. C'est pas ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Les items crit sont un peu plus puissants, mais gardez ça en tête, surveillez votre patch. Si vous regardez cette vidéo 3, 4, 5 mois après que je l'ai publiée, vous avez cette option-là qui existe, checkez-la juste. Et la P, le principal problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus d'étal tempo pour proc très facilement les stacks, et donc vous vous retrouvez à devoir faire une dandache rapide, à devoir faire une rabadon, et à aller chercher derrière un zonier rapide, ce genre de choses-là, parce que une fois que vous arrivez à Twitch AP, votre troisième item doit être défensif à peu près quoi qu'il arrive. Je vais aller vous montrer, vite fait ce qui peut se faire au niveau des supports. Et vous voyez qu'au niveau des supports, alors je les ai enlevés là. Au niveau des supports, vous allez avoir tendance à jouer AP. Parce que de par votre positionnement dans la game, vous allez avoir un item assez facile à obtenir qui fait un peu d'AP. Ensuite, vous scalez sur de l'AP et vous continuez sur une rabadon. Le principal problème de ça, c'est que Twitch Support, ça manque un peu de ressources pour aller chercher son 3 et son 4ème item qui sont vraiment utiles sur Twitch en AP. Résultat des courses, vous voyez que les winrates sont abyssaux en early game et montent assez vite sur le... Vous gagnez la game en late game. Si avec Twitch AP support, vous vous retrouvez dans un cas où vous êtes devant, vous allez oblitérer la game. Twitch AD aussi. Mais c'est ça que je voulais vous montrer parce que je pense que ça vaut quand même le coup qu'on discute un tout petit peu de l'optimisation AP qui se voit tout de même vachement plus au niveau de ce qu'on peut faire sur un support. Donc, on disait, en optimisation, c'est relativement clair, hein, Twitch. Vous allez avoir ce choix-là et ce choix-là. Vous le faites en fonction de ce que vous sentez. Je vais pas vous dire. Et ensuite, vous faites ruée offensive. Et vous allez chercher chasseur de trésors. L'attack speed, c'est obligatoire. Vous faites des points de vie parce que c'est mieux. Vous allez généralement en jouer ça. Ce que je vais vous conseiller pour terminer, c'est donc d'aller chercher une lame du roi déchu. Vous allez faire ça aussi avec des bottes et vous cherchez une lame de Doran qui est relativement sympathique. Les bottes, vous pouvez les prendre tôt, mais Twitch aime bien quand même avoir un peu d'AD en early game. Donc, si en early game, vous pouvez vous permettre d'avoir un bac qui ressemble à ça avant de faire votre lame du roi déchu, ou si jamais vraiment vous êtes vénard et vous avez besoin d'un peu de sustain en plus, ah ça vous êtes bien, et si vous voulez seulement des dégâts, ça va être plutôt ça, parce que là vous avez les 15% d'attack speed, les 15% de nit, et les 25% d'AD, qui fait que ça va aller avec. Vous allez globalement être un peu content pour farmer, vous allez voir. Ensuite, bon, on l'a vu, la principale attraction que vous allez voir, c'est d'aller chercher l'ouragan de Runan, une lame d'infini, qui n'est pas dans attaque speed, hein, qui est dans attaque damage, une lame d'infini ici. Vous allez vouloir prendre la pénétration de chaque côté, donc allez voir là. Et derrière, la véritable question, c'est est-ce que vous faites une Bloodthirster ou est-ce que vous allez chercher des Yuntal pour plus de dégâts. C'est à vous de choisir, mais ça va ressembler à ça le build actuel de Twitch. Le build AP fonctionne pas très très bien. Sur un malentendu, pour se marrer, il est très fort. Le build attaque speed est pas mauvais. C'est pas le plus opti à l'heure actuelle, mais il est pas mauvais. Et c'est comme ça que je jouerais Twitch, moi, personnellement, si j'avais à le sortir et à l'optimiser moi-même avec mes petits doigts.
Je pense que le champion, globalement, si vous voulez apprendre à le jouer, réfléchissez à comment surprendre l'adversaire. C'est dans la tête de vos adversaires. Les bons Twitch que j'ai vu jouer, les Twitch top qui roulaient sur ladder, les Twitch ADC, ils avaient toujours tendance à bullshit au mid parce que les midlaners, ils s'attendent jamais à avoir un Twitch. Et s'ils ont pas de quoi se retourner, c'est mort pour eux. À jouer beaucoup en arrivant sur la lane avec leur A. Et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Le positionnement, si vous avez un bon R, Twitch, c'est toujours bien. Et le A est là pour ça. Si vous voulez aller un peu plus loin, bien entendu, vous pouvez aller voir sur mon Discord. Il y a quelques ressources et autres qui vont te permettre de progresser. Et si tu veux plus de vidéos comme ça, je te laisse, bien entendu, poser un like et t'abonner. On se voit pour une prochaine vidéo. Plus en lane.